bad evening. I am Sacrifice. I hope you're not well, American. I will be sincere. You're seeing this shit. I know what you'll tell me. You have important bands like Judas Iscariot, Zaster, Leviathan, Great Belial's Key, Noctmystium, Wolves in the Throne Room. So, yes, there are some great bands in the United States, but it's unfair. Your scene is not allowed to be good. You already have so many exceptional qualities. Big cars, donuts too delicious, better films than in other countries, superheroes with beautiful disguises. So, I refuse that you have a good black metal scene. Cannot you let other countries have their specialty? You are a selfish little cock. Anyway, in 2019, the American black metal is finished. What? What are you saying? There are already more than 200 black metal albums released in the US in 2019? Shut up, killer of Indians. I'm sure it's shit, but okay, we're going to check, bastard fucker. Ahahahahahahahaha. J'arrête la voix Google hein, et je reprends la voix Gogol, hein, que tu aimes bien. Le black metal américain, c'est quoi ? Eh bien, c'est comme ailleurs. Hein. C'est pas un seul style qui est représenté, mais toutes les sous-branches qui sont bien présentes chez eux aussi. Ce sont donc des copieurs. Ouh, la honte, les copieurs. Pourtant, c'est vrai, on aimerait bien trouver du black metal américain avec la culture américaine. Hein ? Quelle culture ? Bah, ne fais pas le bonnet, bien entendu. On parle des cow-boys, du Far West, ou des Indiens aussi. Voilà. Hein, John Wayne, Rantanplan et compagnie. Eh bien, ça existe. Il y a un groupe qui s'appelle Untamed Land. Bien sûr, c'est américain, c'est le thème d'aujourd'hui. Et ça s'approche d'un summoning, ça s'approche, hein, ça s'approche de loin, c'est du black metal atmosphérique, avec des incursions de Ennio Morricone, là aussi, à prendre entre guillemets, hein, voilà, bah, tenez, buvez une goutte de ça et ouvrez bien vos oreilles, on va faire un peu de pétard. Sacred flames, it's glowing.
C'était comment? Méfie-toi de ce que tu vas dire parce que Dieu n'est pas avec nous. Hein, et il déteste les corneaux de ton genre. Bon, de toute façon, on se fiche un petit peu de Dieu. De Dieu. Nous, on préfère les dieux. Des dieux plus forts, plus vilains, comme par exemple ce dieu qui s'appelle Svetovid. Lui, il a des gros testicules. Gros testicules parce qu'il vient de la mythologie slave. Et c'est non seulement le dieu de la guerre, mais aussi le dieu de la fertilité et de l'abondance. Ça veut dire qu'il arrose tout sur son passage. Voilà. Il arrose déjà pour la guerre, hein, comme ça, et après il arrose, voilà, aussi. Donc il arrose. Hein. Tu as compris, je pense. Hein. Si c'est un peu difficile de mémoriser Svetovid, tu peux l'appeler Enculator aussi, ou alors GI américain. Guerre, quéquette, c'est un peu le concept. D'ailleurs, il y a le groupe américain qui a choisi ce nom, Svetovid, mais c'est un label français qu'il a redécouvert et c'est celui de Salfreux, c'est France Doyle qui a sorti d'ailleurs le troisième album qui est un double CD sorti sur France Doyle et partagé avec un autre label polonais qui est Werewolf Promotion. Alors, on va écouter Svetovid, Enculator, le DI américain, ça va juter. Le mauvais black metal américain, c'est mauvais! On aimerait que ce soit mauvais. Ah oui, ils ont tout déjà. Tout. Plus de 200 albums sont donc déjà sortis en 2019, rien qu'aux États-Unis. Voilà, parce que ce sont des artistes. Ah oui. Et puis, il y a beaucoup de jeunes, il y a toujours beaucoup de jeunes qui s'y mettent là-bas. Il y a un petit nouveau qui vient de Pennsylvanie et ça s'appelle Ignis. Ignis ou Ignis. Pennsylvania, hein, c'est tout de même un nom merveilleux qui ressemble beaucoup à Transylvania. Il a donc la Pennsylvania Hunger. Hein. Ah oui, peut-être que c'est grâce à une de ses spécialités, la spécialité de Pennsylvanie, le cho-cho. Et oui, le chocho, tu connais pas le chocho, une bonne combinaison de légumes, tomates, oignons, carottes, pois, que des bonnes choses qui font péter. Et en plus, c'est bien parce que, en fait, si tu as oublié de faire ta photo pour Instagram de ton chocho avant de le manger, rassure-toi, tu pourras prendre la photo après, quand il sera sorti de ton cul. Ça a la même forme. Et regarde la photo, tu vas, on confirme. Hein, tu peux le prendre la photo après, pas de problème. Voilà. Pennsylvanian Hunger. Tio, Ignis, eh ben, ça vaut le coup d'oreille quand même. On découvre.
rigole. Ha. On rigole. Ho. Ouais. Ah ben oui. Mais il ne faut pas oublier. Jamais oublier. D'ailleurs, on a reçu une devinette de la part de Michel. Je l'ai devant les yeux. Je la lis. Je la lis. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. À parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Ben Michel, mais c'est quoi cette devinette de Simplet, Michel? Hein, tu sors d'où? Expliquez-moi, Michel sort d'où? Hein? C'est pas possible. La bonne réponse est simple. Ben, à saluer qui? Ben, Adolf Hitler, c'est ça? Hein? Tu n'as pas honte de sortir comme ça des devinettes gênantes? C'est interdit, tu sais? Pas bien. Surtout que les ricains, tu vois, hein, je ne veux pas te contredire trop non plus, Michel, ils sont devenus un petit peu des amis de la Germanie pour certains. Ah, bah, comme le groupe Laskovic, par exemple. Hein. Il a un peu tendance à parler de je ne sais quoi et à saluer je ne sais qui. Hein, hein, Michel, hein. Tu veux écouter? Ben, allons-y, Laskovic. Talking to me. You're talking to me. On termine avec le black metal américain en redevenant sérieux. Le groupe Aoratos. Aoratos signé sur un label français. Voilà. Mais tous les Américains viennent chez nous, quoi. C'est une invasion. Aoratos. Pas besoin de l'écouter. Quand on sait qui est dedans, ça donne déjà une idée. Il s'agit de Nas Alkameth, c'est-à-dire Monsieur Nightbringer, Aklis ou aussi Bestia Arcana. Donc ça va être lourd, ça va être chaud, ça va être oppressant. Et c'est bien le cas cette fois aussi. Et c'est carré comme le Colorado. C'est oui. D'où il vient, d'ailleurs, il vient du Colorado. L'album, on le conseille, donc. Voilà, ça peut rendre fou si on l'écoute tout seul. On remarque qu'on n'a pas trop le choix, parce que... Enfin, qui écoute du black metal accompagné? Tu écoutes avec quelqu'un, là? Tu es deux? Tu es trois? Tu te tiens la main pour pas avoir peur? Non, non, non. Quand on écoute Aorato, c'est tout seul. Donc là, il y a combat. Là, va falloir vous cogner et puis qu'il y en a un qui en tue. Allez, vas-y, tue-le. Tue-le, vas-y. Plus, non, plus vite. Voilà, tue. Et bye bye avec Aoratos.